Salut à tous, bienvenue dans cette première vidéo de Terraforming. Donc, comme j'ai indiqué dans le log que j'ai fait, qui a été publié il y a quelques jours, je vais faire quelques vidéos de Terraforming pour une map que je suis en train de préparer, une map aventure. Je vais directement commencer en me rendant déjà dans la bonne zone. Vous pouvez voir aussi que j'ai mis Caméra Studio, ça va servir pour faire après un petit timelapse. Je vais pas vous montrer toute la construction de la zone. Et me voilà sur une map. Une map en fait que j'ai pré-générée avec World Painter. Donc j'ai fait vraiment quelque chose de rapide. Vraiment, c'est pour avoir un guide. Ça m'indique par exemple que là il y a une rivière qui va passer ici. Et ça me donne les dimensions de la map surtout. Donc j'ai une partie, voilà c'est l'ancienne map, mon mode pour MapWriter là il gère pas très bien le multi-world. Donc là c'est la partie haute de la map, si je peux dire ça comme ça. Et si je me dirige par là-bas, donc voilà la zone est quand même un petit peu grande. Donc il y a aussi une raison pour en passer ce genre de promontoire que j'ai fait. Vous verrez après au fur et à mesure que je vais construire. Là ce sera beaucoup plus pentu. Et donc voilà la zone basse. Donc cette map ça va être une jungle. Je vais pas faire une jungle trop épaisse, donc c'est des grands arbres, mais faut qu'on puisse quand même circuler au niveau du sol. Et donc tout ça va être couvert d'herbe avec de l'eau qui va passer ici, des arbres, ainsi que quelques ruines. Et là, ce sera le début, la zone de départ quand le joueur arrivera dans la zone. Donc pour cette map aventure, en fait, le passage d'une, à la place d'avoir des intersections, le passage d'une zone à l'autre se fera via des TP. Alors on va remettre le jour. Voilà, je vais juste contrôler vu que j'ai normalement j'ai mis que hors des limites de la map, ce soit juste un terrain plat. Je vais vérifier si ça a bien marché. Donc là, il y aura un petit lac par ici. De nouveau, il sera plus profond, il sera un peu mieux. Puis il y a des poissons, il y a des chunks à slime que je vais enlever par la suite. Et donc voilà. Parfait. Donc j'ai bien mon mur ici et qui correspond à la hauteur en fait de la zone haute. Ça va me permettre de rajouter ensuite une partie montagne par là. Donc je vais directement commencer. Donc là j'ai l'avantage de ne pas avoir besoin de nettoyer le terrain. Donc je vais directement me faire mes brushes. Donc pour les brushes, je vous conseille de regarder les tutos d'Aurélien Sama. Mais pour ceux qui n'ont pas regardé, ben, c'est Voxel Sniper et World Edit. Et j'ai en plus les broches personnalisées de Shuka qui permet d'aller un peu plus loin, d'être un peu plus rapide. Donc je pense que je vais mettre des liens dans la description de la vidéo qui indiqueront un peu les outils que j'utilise. Alors on va mettre une taille un peu plus grande quand même. Qu'est-ce qu'on dit? 15, ça me paraît pas mal. Et je vais pouvoir commencer. À sculpter. Donc voilà, là c'est vraiment du plus que basique. C'est déjà pour donner un peu de vallonnement, vu que là pour l'instant ma zone est toute plate. Donc je donne vraiment là un petit peu de relief. Pouvoir creuser, je vais faire une broche un peu plus petite. Voilà, donc vous voyez un peu le principe pour cette première étape. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur
sur une petite séquence en timelapse. C'est que je vais retravailler un peu toute la zone de façon basique. De toute façon, je compte pas faire toute la map en une seule fois. Il y aura vraiment plusieurs étapes. Mais c'est vraiment déjà pour commencer, puis pour vous montrer un peu les travaux que je vais faire. Donc, je vous laisse avec le timelapse. Thank you.
Voilà, alors j'espère que ce petit timelapse vous a plu. Moi j'ai déjà un petit peu continué hors caméra, vous pouvez voir que là j'ai mis des grosses sphères de gravier, c'est juste pour ériger rapidement une muraille. Donc il y aura encore une muraille virtuelle qui ira à peu près comme ça. Cette zone sera une zone inaccessible, celle-là aussi. Mais autrement, j'ai presque terminé, on va dire, la première partie de la zone basse. Bon, la zone basse qui est la plus petite, mais ce sera celle où c'est qu'elle aura plus de ces pics montagneux. Dans la zone haute, on voit ici, j'ai indiqué, en fait, il y aura moins de montagnes, des plus grandes, avec des constructions dessus, mais il n'y aura pas autant de petits pics. Là, c'est vraiment parce qu'on est au fond de la vallée et qu'il y a l'érosion qui a joué. C'est qu'on voit vraiment les trois rivières qui se rejoignent pour arriver sur le lac. Donc, pour cette première vidéo, je vais m'arrêter là. Je vais continuer un petit bout hors caméra. Pour la vidéo suivante, en fait, je vais faire la peinture. Donc, je vais remplacer tout ce gravier et toute cette roche par d'autres matériaux, donc de l'herbe, de l'eau dans la rivière, du sable, enfin tout ce qu'il faut pour que le paysage commence à devenir joli. Donc je vais pas encore mettre la végétation, que ça je ferai vraiment une fois que j'aurai commencé à placer les bâtiments. Et puis je m'attaquerai aussi à la zone haute. Donc peut-être que je vous montrerai lors de la prochaine vidéo plutôt la peinture sur la zone supérieure, ça je verrai vraiment sur le moment. Et puis autrement, ou alors une autre possibilité sera de partir sur une autre zone. Donc voilà, c'est vraiment ouvert. J'ai deux autres zones que j'ai continué. J'ai une zone de désert, donc c'est que là c'est beaucoup plus plat, avec il y a quand même un volcan que je devrais mettre dans un endroit de la map. Et une autre zone qui pourrait être intéressante aussi à montrer, c'est une zone qui sera constituée uniquement d'îles volantes, avec des bâtiments qui seront sur les différentes îles. Du coup, c'est que là, de nouveau, il y aura... Je pense que ça peut être assez intéressant de voir comment je fais toutes ces îles. Donc, de toute façon, je vais montrer tout ça en vidéo. Je pense que il y aura peut-être encore une quatrième zone que je montrerai... Mais c'est pas encore sûr. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas montrer les 16 zones pour vraiment laisser la surprise. Surtout que j'ai quand même prévu des choses assez sympathiques. Entre autres des changements de gameplay. Donc je vais pas vous faire le détail maintenant, mais un exemple, j'ai une zone froide. Enfin froide. Une zone de toundra. Dans cette zone, il y aura une partie où le joueur va geler s'il reste sur place. Donc le seul moyen, en fait, de ne pas se prendre des dégâts réguliers, ce sera d'être toujours en mouvement. Donc voilà le genre d'astuce gameplay que je vais mettre. Et il y aura pas chaque zone qui aura un gameplay particulier, mais il y aura quand même plusieurs gameplays. Il y aura les règles à map qui changeront aussi. Genre j'ai plusieurs zones où c'est que le keep inventory sera activé, simplement pour un exemple, la zone avec les îles volantes. Le but, c'est pas qu'en cas de chute le joueur doive recommencer tout parce qu'il perd de l'intégralité de son stuff. Donc voilà, il y aura plusieurs zones assez sympathiques. Donc voilà, prochaine vidéo de terraforming, on verra quand je la ferai, si j'ai bien avancé sur celle-là. Et une fois que les vidéos de terraforming seront faites, il y aura des vidéos de construction. C'est que je construis les bâtiments soit à la main, soit à l'aide d'outils. J'ai par exemple un plugin additionnel pour Word Edit, Schematic Brush, qui permet d'avoir un dossier avec des fichiers schématiques et de charger aléatoirement, enfin aléatoirement, on définit une liste de brushes qu'on va utiliser, puis ça va les placer aléatoirement, ça va les tourner, faire des effets miroirs.
ça permet de mettre soit des arbres personnalisés, soit des maisons, soit j'ai commencé à préparer pour des ruines. C'est que j'aurai une cinquantaine de variations du même bâtiment en ruine et je pourrais rapidement les placer pour avoir une base de travail avant de continuer de faire tout le reste à la main. Donc je pense que c'est aussi intéressant de voir ça en vidéo. J'aurai aussi une autre série de vidéos, mais je vais pouvoir faire en parallèle. En fait, je vais faire des vidéos sur les circuits de Redstone et de Command Block qui serviront à la map. Vu que là, en fait, je suis en 1.7.2 pour le terraforming. Mais la map elle-même, elle sera en 1.8. Enfin, pour l'instant, en snapshot. Donc, à l'heure actuelle, je peux pas reporter les maps que je fais sur ma map de mécanisme. Je ferai une fois que tout le terraforming, toute la construction sera fait. Donc ça va me permettre de faire quelques vidéos, c'est que je montre comment par exemple mettre un effet sur le joueur s'il porte telle ou telle armure, faire des monstres personnalisés, ce genre de choses qui peut être assez sympa. Donc j'espère que cette vidéo de terraforming vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu ou un commentaire sur la chaîne. Vous pouvez également vous abonner, comme ça vous ne louperez pas du tout les prochaines vidéos. Vous pouvez voir également mes autres séries, les séries où c'est que je meurs en boucle par exemple, ou alors les serveurs, j'ai deux trois autres choses en cours. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, j'ai mis le lien de mon Twitter dans la description de la vidéo. Et moi j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!